Vous êtes à la recherche de visseuses Bosch pour 2024. Vous êtes au bon endroit puisqu'on vous a sélectionné 4 visseuses Bosch qui sont de assez bonne qualité pour 2024. On parle de Bosch vert et pas de Bosch bleu qui est la marque, la gamme professionnelle. On vous a sélectionné donc des petites visseuses allant jusqu'à des moyennes voire grandes visseuses qui peuvent être très bien utilisées pour visser, percer, etc. Elles fonctionnent toutes sur batterie et vous proposent tout un tas de forêts à dispo pour chacune. Donc voilà, on est sur différentes gammes, elles ont toutes minimum 4 étoiles en notation et ça a été principalement notre critère de choix. On vous a sélectionné et trié les visseuses en fonction de leurs avis. Mais aussi, on vous les a classés dans le comparatif en fonction du prix. Donc, on est sur un prix croissant. Donc, en top 4, on aura la moins chère et en top 1, la plus chère. Pour la première, on vous a choisi la Bosch Home & Garden. C'est une visseuse compacte sans fil. On a un kit de 7e génération de 3,6 volts. 2 ampères, 5,5 Nm de couple, un adaptateur de renvoi d'angle inclus, un câble micro USB et elle peut visser jusqu'à 190 vis. Elle est livrée dans un carton, elle vous propose tout un tas de forêts qui vous permettront tout simplement de vous adapter à différentes tâches. Elle est assez petite donc en soi c'est... Elle vous permet une assez bonne prise en main et pour les petits travaux, genre dans les petits appartements, c'est assez utile. Mais du coup, sa puissance empâtit un petit peu dans le sens où elle vous propose que 235 tours par minute. Au niveau de la batterie, elle est d'assez bonne qualité. Mais malgré tout, elle vous propose quand même 20% de couple en plus par rapport à la précédente génération grâce à un moteur qui est bien plus performant. Au niveau de l'autonomie, donc comme je vous ai dit, vous pourrez visser jusqu'à 190 vis. Donc clairement, on est sur une bonne visseuse pour les petits travaux, mais pas sur une visseuse qui va vous permettre vraiment de faire de gros travaux dans une grosse maison. En troisième position, on vous a choisi une autre visseuse Bosch Home & Garden. C'est l'Universal Drill 18 volts. Elle est livrée avec une batterie, un système 18 volts, et avec 2 embouts de vissage, mais aussi... une petite valise pour pouvoir la transporter. Donc c'est des outils de la gamme Universal Bosch, donc c'est assez polyvalent et solide avec des solutions intelligentes pour des plus grands projets. Sa puissance et sa vitesse est vraiment optimale, dans le sens où vous pourrez visser et percer rapidement grâce à son engrenage de 8 vitesses avec 8 positions de présélection de couple avec un couple maximum de 40 Nm. Donc déjà, on est sur une puissance qui n'a rien à voir par rapport à la précédente. Elle est très maniable, elle est un peu plus grosse comme vous pouvez le voir à l'image. Donc elle vous permettra aussi de vraiment, avec une tension de 18 volts et 40 Nm de couple, de vraiment commencer à faire du gros œuvre. Elle vous propose une vitesse de 1450 tours par minute, une batterie au lithium-ion et un poids de 1,2 kg. Donc on est vraiment sur une visseuse qui va vous permettre... si vous avez une maison ou si vous êtes artisan ou simplement amateur de bricolage, là, elle va pouvoir vous durer longtemps et vraiment vous aider bien plus que la précédente, quoi. On est forcément sur un prix un peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup. Elle est notée 4,7 étoiles pour un peu plus de 3000 évaluations, ce qui est vraiment honorable. En deuxième position, on est toujours sur la gamme Bosch Home & Garden. Là, on est sur la Easy Impact 18 volts 40. Là, le kit est un peu plus fourni avec 2 batteries, 2 ampères, un système 18 volts, mais aussi un coffret de transport comme la précédente. Là, ce qui change, c'est qu'on a un peu plus de batterie. On a un petit peu plus de vitesse de rotation maximale avec 1630 tours par minute. Donc, c'est vraiment pas mal. Sa taille du mandrin est assez correcte, c'est une taille de 13. Au niveau des dimensions, elle est un peu plus grosse avec 6,7 par 19,5 par 23,4 cm. Et voilà, au niveau des outils, c'est des outils pratiques pour les petits projets. Elle propose un mandrin de perçage polyvalent à dégagement rapide de 13 mm pour un changement facile de vis et de perçage. Donc, comme pour toutes les autres visseuses, vous pourrez visser et percer.
Donc c'est vraiment c'est vraiment génial. Là on est à partir de celle d'avant, on est vraiment sur de la visseuse slash perceuse qui va vous permettre de faire du gros travaux, etc. sans vraiment bouger. On n'est pas sur la qualité de Bosch professionnelle, mais on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Elle a une transmission à deux rapports et 20 niveaux de couple pour des performances et une vitesse optimale pour chaque application. Et elle vous propose une utilisation universelle pour divers matériaux. La perceuse, elle peut être utilisée pour le vissage, le perçage dans le bois, le métal, le plastique, le perçage à percussion dans la maçonnerie, tout ce genre d'utilisation. Donc elle est vraiment très polyvalente, très ergonomique, très maniable et avec une durée de vie de la batterie qui est très 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 correcte. Donc franchement, elle vaut vraiment le coup. Et en première position, on vous a sélectionné la Bosch Home & Garden Easy Drill 18V 40. Cette perceuse-là, donc on est sur forcément une gamme un peu plus élevée. On est sur un niveau de tour qui est pareil que la précédente. 1630 tours par minute, 18V, 2A d'ampérage, taille du mandrin, pareil que la précédente aussi. Mais l'avantage, c'est que celle-ci, elle va vraiment être utile pour les travaux de perçage puisqu'elle propose un mode perçage à percussion. Donc, c'est ce qui la différencie de la précédente. Elle a un engrenage à deux vitesses, 20 positions de présélection de couple. Ça vous permet d'adapter le couple de vissage et la vitesse du perçage, comme vous ne savez pas. Vous pourrez changer facilement les embouts de vissage et des forêts avec son mandrin 17 mm. Sinon, elle vous propose aussi de réaliser des travaux nécessitant de visser ou de percer dans le bois, le métal, le plastique, comme la précédente et celle d'avant aussi. Au niveau du kit, on est sur la Easy Drill, la visseuse, qui est livrée avec deux batteries de 2A, forcément du coup le chargeur et le coffret de transport. Elle est bien plus ergonomique que la précédente. Au niveau de la maniabilité, elle est plus maniable aussi et elle a un bon rapport qualité-prix. Au niveau de la note, on est sur 4,7 étoiles. 4,7 étoiles, ce qui est un peu 0,1 de plus que la précédente. Pour un peu moins d'évaluation, parce que les gens ont moins tendance à acheter cette perceuse, puisqu'elle est forcément un peu plus chère. Si cette vidéo vous a aidé et qu'on vous a guidé dans votre choix pour acheter votre visseuse Bosch en 2024, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Good Deals. Bye bye.